Einstein. On est en direct InsideTV sur Twitch. Ça fait longtemps que tu nous prends la tête avec Ralet, ouais. Tu vas pas commencer ce soir. On va déconner pas les mecs. Allez, Aïcha. Merde, première fois que je joue. Aïcha, écoute-moi. Tu fais passer ton téléphone. Un petit sourire. On va pas y passer une demi-heure, hein, quand même, c'est pas possible. Pour voir s'il y a des gens, ils sont oui, gentils, nous donnent un peu de donation sur YouTube, dépêche-toi. Comme ça, direct à la sauce. Merci, c'est gentil. Bonsoir, ça va? Tu croyais que j'avais oublié? Allez, donne-moi ça. Merci, c'est gentil. Hop, là, c'est sur les genoux. Là, c'est sur les genoux. 5, là, 4, c'est sur les genoux. 3, c'est cool. 2, 1. Je le ferai. Que le combat le commence combat intelligent. Ah, on va mettre ça en... Ah bah il était déjà préparé, tu vois. Tu pourras pas filmer du tout. C'est dommage, hein. J'ai annulé le combat. D'aller. Bien, garde la balle. Il va te faire sourire. C'est pas ton chien, ça marche pas. Bah, ça reste un rêve, hein, du coup. Ah, là, là. Allez. Bien. On va mettre ça là. Exécution de les anciens sanctuaires salés. Prenez-en le contrôle pour libérer le chevalier dragon. C'est cool, hein. Je vois tout. Allez, fais passer, dépêche-toi. Viens, Camille Louche. Merci, c'est gentil. Continue comme ça, Médic. Non, mais je compte sur votre respect de cette petite règle, c'est très important pour d'accord. Alors pour les plus malins, vous pouvez le sanctuaire et la puissance du dragon sera ça sert à rien à mettre vous dehors, ce médic. Non, mais c'est important de préciser. C'est important. Hein? Tiens. Il devrait plus tarder. Alors moi, la première fois que j'ai rencontré Ahmed Silla, c'était sur On ne demande qu'à en rire chez Laurent Ruquier sur Antenne. Oh, il adorait se déguiser en femme. Vous allez voir, quand il va rentrer, il est comme ça très doux, j'ai ligne. Il a des gens qui n'en finissent plus. Ahmed, c'est quelqu'un de très solaire, de très agréable, de très sympathique, de quelque chose de très profond. Excusez-moi, je m'envole un petit peu. Il faut choisir un talent. En fait, son parcours, il est assez atypique. C'est vrai qu'il a su à l'info. Ça veut dire que c'est la fin. Je souhaite à tous... une agréable. Je vais me faire niquer. Exécution. Ouais, je me suis fait niquer au top, je suis son 2. Offensive en cours. Merci. Il est chaud le gars. Mais papa! Bélec. Mais papa! Mais papa, mais baisse la musique, c'est trop fort, on peut même pas dormir! Putain! Soule avec sa musique là! Il faut partir vite! Je sais pas, à l'hôtel! À l'hôtel, on dort dans un lit! Pas sur son frère! Casse les têtes avec sa musique, tu peux la tuer, qu'il a remis un cigare dans toute sa vie, et puis pour Don Corleone, la carte un petit peu! Il saute là! Et achète-moi un vrai matelas au lieu de faire le cubain! Aïe! De la cible. Pourquoi tu me tapes? C'est comme ça que mon père me réveille tous les matins. Il arrivait dans la chambre. Eh, mais toi, qu'est-ce qu'il y a de gueuleux comme ça? Eh, Ahmed, lève-toi. Ici, c'est pas un hôtel. Ahmed, lève-toi, parce que si je te frappe ici, tu vas chier du shampoing. Oui, tu vas chier du shampoing. Et puis toi, tu ne respectes pas la musique cubaine. Hein? Tu ne respectes pas Compay Segundo. Ça, c'est un grand artiste. Hein? Ça, c'est un grand monsieur. Compay Segundo, c'est pas vos affaires de maître gym là. Mais... une idée. Vous savez, moi, ce qui m'a le plus choqué, au-delà des mots, au-delà des coups, c'est que pour mon père, la personne qui était censée assurer mon éducation... Il faut choisir un talent. C'est possible qu'un homme chie du shampoing. Mais quel est le rapport? Je tape-moi, mais dis pas n'importe quoi, écris avant de parler, c'est des répétitions. Non, toi, t'es là, tu viens, t'improvises, non. Exécution. Respecte-moi, t'as exécution.
Tu vas m'insulter. Rien de suite. Bois rien. Rien. Contre-là. C'est parti. Dis-le si t'as besoin de quelqu'un d'appuyer à Céleste. Offensive en cours. Ouais, vas-y, sors, ouais, sors, ouais. Ouais, viens, viens à la porte, ouais, viens, viens à la porte. Moi, tu me tapes. Enregistré. J'ai 21 ans, tu me tapes. Je suis majeur dans le monde entier, aux États-Unis, je veux sortir en boîte. Toi, t'es là, tu viens, tu me tapes. Wesh. Wesh. Tu me prends pour un poupon. Allez. Toi, viens, tu me prends pour un poupon. Mais tranquille, laisse, tranquille, va regarder ton journal, va bien écouter ta musique cubaine, tranquille. En vrai, son cas. Et c'est toujours au moment où je voulais l'insulter de ma meilleure insulte. Les sanctuaires sont en train de collecter de la puissance. Entendez l'appel du chevalier Tarot à travers la terre. Bon travail. Ouais. Les esprits de mes yeux. Nickel. Continue comme ça. Le repos du dragon doit prendre fin. Libérez sa puissance. Ce jour-là. Essayez de finir. Pas toi, mais merci pour les soins. Un mec balèze, j'avais des balèzes quand même au premier. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah bah tu vois, ça c'est un nom en plus, t'as Doulaï. Ah, tu vois, tu m'appelles à Doulaï, donne-moi ton, tu vois, ça marche. Tu vois, comment tu mesures à mettre ton. Enregistré. 85. Hey, comment tu vois? Exécution. Exécution. Tu es son porte-parole? 99. Chérie, tu te fous de ma gueule? T'es en train de pleurer pour un canapé d'angle, là? Mais tu m'arrêtes ça tout de suite, on en a plein des canapés à la maison. Oui, je sais. Mais ce canapé-là, c'est pour les angles. Moi, finalement, j'ai pas vraiment fugué, c'était un rêve. Ouais, moi, ma fugue, elle a c'est duré parti. Quoi 9 euros, tu vois. Un ticket de bus, un grec, et je suis vite rentré à la maison. Non, moi, c'était un rêve de fuguer, et c'est bien de rêver, on en a tous besoin. Vous êtes tous d'accord, on a tous besoin des rêves. C'est important de rêver. Mais par contre, moi j'ai arrêté de rêver à partir de la classe de 3ème, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Ou plutôt quand on m'a expliqué ce que je pouvais faire. Parce que quand j'étais enfant, je rêvais évidemment. Moi mes premiers objectifs, c'était en cours. Prince et armement du toboggan. Allez-y, chute. Mais idée. Non, c'est pas de la.
médecin aussi, j'ai rêvé d'être médecin. Vous avez des rêves. Oui, mais dans mes rêves, moi, il n'y avait pas. C'est un peu médecin. Non, mais pas ça, moi. Moi, c'est toi qui me soulève à l'école, moi. Pour nous orienter, et qu'on nous dit que ce vers quoi on doit aller, nous c'était assez divertissant. Alors, il faut choisir un talent. C'était pas un mauvais élève. D'accord, mortel, bébé. Je ne pas rester 5 mois assis et écouter un prof parler. En plein dans ma liste de mire. Exécution de l'ennemi. On recevait les bulletins scolaires à la maison, on chantait pas qu'on paye son dos, hein, tu vois, c'est... Attends, papa, arrête, mais faut t'en pas, arrête, mais pas le faire à repasser, arrête, papa, mais attends, hein. Un coup de magistrat. Hein. Bah oui, bah recule, qu'il alors. Tu se sens d'attaquer ce con mercenaire. Attends, papa, s'il te plaît, parce que si tu regardes... Hein. Mais papa, on s'en fout des masses, la France, bah, tu sais ce qu'elle a dit. Comment elle s'appelle, madame? Bientôt, les sanctuaires s'animeront. En plein dans ma ligne de mire. Il porte clé. Je l'ai offert ou pas? Exécution. Le combat continue. Quoi, c'est pour ça que je détestais l'école. Je me faisais taper tout le temps. Et pourtant, je détestais l'école, mais pourtant, j'adorais la rentrée des classes. Oh, ce fameux jour de la rentrée des classes. Quand on avait toutes les solutions. En approche de la cible. Le cahier, la journal à tout. Activez les sanctuaires. Utilisez la puissance du chevalier dragon. Et en début d'année, au bout de l'échelle, il était encore pointu, Charles. Nickel. Mais 2 semaines après la rentrée de classe, c'est pas très divertissant. Non, tu sais. J'ai plus beaucoup de mana. Hein? Ouais, ça me plaît bien. Marie. Ok, mais... Ahmed, pousse-toi, Nico. Nico, t'as pas une règle? Une règle, hein? Massacre! Putain, t'as eu, t'es chiant. Moi, madame, j'ai trouvé... en fait, j'avais mis dans mon cahier de musique, mais madame Frouchon, elle... Hein? Si, j'ai trouvé... 3x-8 est égal à 42 au carré. Bah, c'est bon, je sais, on est en histoire. Mais non, mais parce que depuis tout à l'heure, vous dites le soldat inconnu. Bah, l'inconnu, c'est X. Et il est mort en 42 à carré. Carré, c'est une petite ville dans l'ouest de la France, juste à côté de Nantes. Oula. Vous partez vers Savenay. Elle n'est pas mort. Vous repiquez vers Saint-Brévin-les-Pins. Vous revenez vers Bouguenay. Et après, quand vous êtes à Bouguenay, vous prenez la nationale. Bref, vous continuez tout droit. Vous continuez. Vous n'arrêtez pas. Continuez. Vous allez perdre la forme. Continuez. Et là, il y aura un village. C'est là. Relevez-vous et accomplissez votre vengeance. Et les profs, avec leurs phrases de rentrée des classes, toutes faites. Et homme, c'est si là. C'est fini les vacances, hein. Ah, tu commences bien l'année, toi. On vous l'a déjà vu pour certains, c'est sûr. Aïcha, c'est... Oh là là. Mais attention, ça, c'est des phrases qui sont dites dans toutes les écoles du monde. Xiangfu. C'est fini vacances. Pendu à vacances, on caca que si pendu en papa va me faire casser. On caca, c'est pas la lettre, c'est vrai que tu. Pardon? Pendant 2 mois vacances? T'es sûr? C'est parti. Nous en Chine, en 2 minutes vacances, après on reprend le travail, on reprend le travail. Mais ça, c'est nous, après nous, on contrôle les mondes. Dans toutes les écoles du monde, c'est pareil. En route.
ligne de mire. Christopher. Je ne retournerai pas dans cette prison. Non. Je dois battre en retraite. Sans revoir dans deux semaines. Pareil, la même chose. À l'école, il y a des phrases types comme celle-ci, comme on vient de le voir. Et il y a des élèves types aussi. Moi, je me souviens, tous les ans, dans ma classe, il y avait un Baptiste. Peu importe son prénom, je l'appelais Baptiste. Et le Baptiste, je le repérais en sortie de contrôle. Merci pour les soins. Exécution. Chevalier dragon et massacrez vos ennemis. Nico, toi la première fois, la langue, t'as deux choses dans ton dos. Hein? T'as des droits, t'as gauche. Oh, attends, et les seins. T'as pétri ou t'as malaxé, toi? Relevez-vous, héros, et accomplissez votre vengeance. Il a bien grandi, Batty. Batty, consens-tu à prendre ce solo? Il a bien grandi, solo. Et vous jurez fidélité jusqu'à ce que la mort tout démarre. Nico, t'as répondu quoi, toi? Les femmes, t'as dit oui. Non, moi, pourtant, moi, t'es sûr. Bah, il a dit jusqu'à la mort. Mais ça fait beaucoup, non? Karine, t'as répondu quoi? T'as pas répondu. Votre idole est attaquée. Ahmed. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas invité, moi. Vos ennemis ont démantelé un bastion. Ta folie meurtrière est terminée. Mais ça, tu le savais déjà. Vous prêtes dans le son et lumière? Est-ce que j'ai dit pour toi, non? Comment tu fais pas? Les ennemis attaquent votre idole. C'est ce que j'ai dit, pousse-moi. Les dragons, les vrais héros à nous. Continue comme ça, Médic. Ça, c'est un Baptiste. Ça, c'est un mec fait pour l'école, définitivement. Moi, je suis pas fait pour l'école. Mais attention, soyons clairs. J'ai eu mon brevet des collèges. Quoi? Non, attends, il y a eu un départ de rire, pourquoi? Même dire, tâchez de pas mourir, hein! Sérieux? Il y a des têtes, quoi. Ouais, toi, tu sais que... Tu m'as regardé en train de... Votre idole est attaquée! Continue comme ça, Médic!
mission terminée. Est-ce que une fois, l'école... Pas sûr. Non, je suis allé au lycée, j'ai eu mon brevet de collège, je suis allé au lycée, j'ai eu mon bac aussi. Mon père était très content. Du coup, j'ai eu un loyer à payer. À la maison. Chez moi, hein. On approche de la cible. Dans ma chambre. Je le ferai. Sous mon frère. 50 euros la nuit. Oui, moi aussi, je rigolais. Exécution de l'ennemi. Coup double. Déchaînez sa puissance. Les sanctuaires se réveillent. Oui. Qui prendra le contrôle de la puissance du chevalier dragon? Alors ça, c'était la phrase magique de mon père. Ça, il la sortait à toutes les sauces. Oui. La seule cul, ça fait mal. Mais j'attends. Oui, tu es privé des télévisions et des desserts depuis 17 ans. C'était assez divertissant. Mais je te... Ça oui, ton petit frère, il a eu de l'argent de poche avec l'iPhone 6 en plus. Le dragon vous attend, héros. Libérez-le. 50 euros et détruisez votre ennemi. Pour payer ça. Les ennemis attaquent mon idole. J'ai beaucoup de compétences. Du coup, j'ai fini animateur en centre de loisirs. Alors, madame, on va faire un truc maintenant. Il ne faut pas intervenir de la sorte. Il y a des caméras ce soir. Je ne veux pas qu'on se dise « Ah, mais je connais des gens. » Vous voyez Non, s'il vous plaît, hein. Les ennemis attaquent notre idole. Dans sa tête, on dirait qu'elle attendait que 5. Ce moment-là où j'allais dire une fois non. Ah, non, c'est chez nous. Je vais essayer. Allez, tu viens, Sophie, on y va, il a dit non, c'est bon. Bah non, madame. Je vais vous réduire ensemble. 5 sur 5. Animateur pour enfants. Qui en plein dans ma ligne de mire. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait ça dans mon premier, dans mes premiers boulots, parce que j'avais pas compris ce que je voulais dire. Et mais prêt pour le son et lumière. Nous avons un débriefing de fin de journée. En tout cas, c'est pas mal, mais ils ont rien en fait. Exécution. Exécution. Votre idole est attaquée. Il semble que vous ayez perdu un bastion. Continue comme ça, médic. En plein dans ma ligne de mire. Théo, suis le son de ma voix, sinon on va pas y arriver. Voilà. Les ennemis attaquent votre idole. Les dragons. Les dragons. Ah bah très bon transit Théo, ça rend sorcier aussi. Le dragon se dressera à nouveau. Ouais, le double temps. Ah, j'ai remarqué qu'il avait une petite rougeur derrière l'oreille. Je vais grenouille d'abord à ça. Enfin, et après qu'est-ce qu'on a fait après, ah, il y a Pissi. Il faudra pas oublier le petit bonnet de bain de Théo. Hein, faut pas oublier les petits cheveux de Théo. Hein, voilà. Bon, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. D'accord. DP, on a pas perdu. Partez ou à demain. Oui. Bonjour à la trottinette, si t'es sage avec maman ce soir. Allez, au revoir. Au revoir, madame mère. Au revoir, Théo. Ciao, ciao. Ciao. Oh, oui, moi aussi. Au revoir. Fist. Moi, je connaissais déjà ce débrief parce que je le pratiquais déjà avec ma mère quand je surveillais mon petit frère toute la journée. Ben écoute, maman, ça s'est super bien passé avec Radim. Je l'ai amené au parc et je... Hein? Mais non, maman, c'est pas déchiré, ça. Mais c'est juste éraflé, c'est deux bouts de fil qui ça se recoupent, c'est rien ça. Et donc juste après le parc, on n'est pas... Quoi, rasé quoi? Mais je l'ai pas rasé là, maman. Je vais juste faire les contours comme ça, mais... Les... C'est... Hein? Mais non, mais ça saigne un petit peu, mais ça va cicatriser, c'est rien ça. Et donc juste après, je suis parti pour la racheter une... Quoi, casser quoi?
Mais c'est pas cassé, ça, maman! Mais il était déjà comme ça, son bras! Anna! Mais t'as pas vu quand t'es parti ce matin, t'as dit va maman, va maman! Non, non, je pense que j'aime bien. Bah, moi, quand j'ai pris, il était comme ça, hein! T'es capable de me mettre la piqûre sur ma tête? T'as qu'à faire attention à vos affaires aussi, hein! Alors, avec Zeb, il m'a mis la piqûre. Il m'a mis la piqûre sur ma tête. Il est plus simple qu'être animateur, ça c'est clair. Déjà, on m'a embauché moi pour m'occuper des enfants. De malade, tu vas voir. Le combo est méga au point. Je suis encore plus gamin que les enfants. Moi encore aujourd'hui quand je vais faire les courses avec ma mère, déjà je suis dans le caddie, tu vois. Ouais, ah tu voyais les mecs, c'est lui de négocier avec elle. Comment je l'ai bouffé, maman, un par un, toute l'équipe, les 5, je mangeais les 5. Il y a juste moi et Zeb, j'avais Maltaël et lui il avait Anna. Il m'a dit pas mon tutu ce qu'il vient demander. Ok, d'accord. La capacité A et Z. Mais ce canapé là c'est pour les enfants. Moi finalement j'ai pas vraiment, non non non. Moi, quand je suis arrivé la première fois au travail, on m'a confié les 3-6 ans. C'est les plus jeunes, les plus mignons, mais ils sont chelous. Ce soir, on est en famille à Nantes, on peut à peu près tout. On peut à peu près... Ouais. Voilà, on est à peu près tous en famille, on peut tout se dire. Il y a des enfants de 3 à 6 ans, vaut mieux les prendre, les mettre à la poubelle, on recommence derrière. Non, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-bas, il y avait Raoul. Raoul, dès qu'il arrivait à 9h du matin, il tapait tout le monde. Ah lui, il était là pour boxer, lui. Et quand il tapait pas les autres enfants, il me regardait moi toute la journée en mode chelou. Toujours avec un doudou comme ça qui traînait un peu partout, tu vois. Mais pas le doudou mignon avec le parfum de la maman dessus, non. Lui, c'était le genre de poupée sans bras, sans jambes. Et avec le dernier œil qui lui restait, le doudou, j'avais l'impression qu'il me regardait moi. Délivre-moi du mal, frère! Ensuite, il y avait Clara. Clara aussi, pareil, dès qu'elle arrivait à 9h du matin. Préparez-moi en découvre, héros! Tu me fais penser aux monstres des histoires que Reinhardt raconte à Halloween. Bien. J'ai une culotte Hello Kitty. J'ai une culotte Hello Kitty. J'ai une culotte Hello. Le combat commence dans 10 secondes. Et bon coup de sucette. T'as une gamma culotte. 5, 4, 3, 2, 1. J'adore ce moment du spectacle parce que je jure, à chaque fois que je regarde un mec, il a beau se marrer dans ses yeux. Je veux pas participer à ça, moi. Je suis venu me marrer, moi. Tu veux pas aller en prison, c'est ça? Petit coquin, moi. Elle s'appelait Clara, elle pouvait pas s'empêcher de montrer sa culotte à tout le monde et d'embrasser tout le monde. Par contre, celui que je détestais le plus, c'est celui qui, toute la journée... Ami. Ami. Oh, merde. Ami. Caca. Ami. C'est le dard, ouais. Ami. Il n'y a plus de mana. Ami. Cramé de ouf. C'est chiant, hein. Ouais, mais il l'a dit encore une fois. Ami. Caca. Et bah moi aussi, j'ai dit ah. Mais je vous ai pas ramené l'odeur avec vous. Choisissez un talent. Et enfin, mon préféré. Junior, il s'appelait. Désolé. Bon, ça a bougé un petit peu. Amé. Amé. Vas-y, viens voir. Mais viens voir, wesh. Vas-y, vas-y, pose-toi, pose-toi. Pose-toi. Tu veux un café, une clope? Non? Bon, écoute. Tu vois, t'es là depuis un an. Non, franchement, tu bosses bien. Sinon, tu bosses bien. Non, ça n'a rien à dire, hein. C'est sûr, il n'y a rien à dire. Tu nous fais des activités. Choisissez un les goûters, on les a à l'heure. Tu restes des consignes de sécurité. Non, franchement, bien. Maintenant, quand je te vois, non, mais tant mieux. Tu me fais de la peine. Il liche, quoi. Parce que je te jure, je t'observe beaucoup. Et quand je te vois venir le matin ici, t'es tout content, t'as la banane. On dirait que tu vas faire ce métier toute ta vie, oui. Maintenant, tu ne veux pas faire ce métier toute ta vie.
Mais pourquoi? Bah parce que par exemple, moi, Clara, Raoul ou celui qui chie partout là. Bah on va pas rester des petits toute notre vie. Hein. Nous aussi on va devenir des grands. Hein. Donc tu peux pas nous surveiller toute ta vie, c'est normal, c'est logique ce que je dis. Hein. Donc faut pas que tu oublies ça, c'est un petit boulot. C'est temporaire. Parce que regarde l'autre là en plus, l'autre Hugues. Eh, ça fait 12 ans il est là, ouais. Ouais, j'ai 12 ans, c'est plus un petit boulot. Eh, eh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a commencé son petit boulot, eh, j'étais pas née, ouais. Ouais, ça va être chaud, je peux pas te dire. Eh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son petit boulot, il est plus long que ma vie, ouais. Non, c'est un truc de ouf. Non, 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 je te laisserai pas gâcher ta vie comme ça. Bon, tu peux me regarder avec tes yeux comme ça, hein. Je sais, t'es en train de te dire, mais c'est un ouf, lui. Mais tu sais, Ahmed, si je te fais la morale, c'est que d'abord, je me la suis appliquée à moi-même. Bah oui, parce que la morale est quelque chose de subjectif que tu ne peux pas appliquer à autrui si à autrui, nous voulons pas qu'à nous-mêmes, nous fassions ce que les autres nous fassent. J'ai mal à la tête. Non, mais en fait, tout ça, Ahmed, c'est pour te dire qu'en fait, moi, j'ai beaucoup observé comment ça allait se passer pour les grands, pour moi, plus tard, quand je vais devenir plus vieux. Et franchement, faut pas croire. Hein. C'est dur, le CP. Il avait raison, ce petit. Il était chelou, mais il avait raison. Fallait que je pense à mon avenir, tu vois. J'allais pas finir mes jours à garder des enfants. Du coup, j'ai cherché d'autres petits boulots et j'ai pas trouvé d'autres petits boulots. Et je vous fais une confidence ce soir à Nantes. J'ai failli vendre de la drogue pour pouvoir payer ma chambre. Mais j'avais pas l'âme d'un voyou, je pouvais pas faire ça. Non, non, je pouvais pas. Je pouvais pas acheter une plaquette de shit 100 grammes, 160 €, la découper en 20 lamelles, revendre chacune des lamelles 20 € et me faire un bénéfice net de 240. Non, je pouvais pas. Oui, je me suis renseigné. Oui, enfin, je me suis renseigné, j'ai fait une étude de marché. Non, j'ai pas fait. C'est fou. Je vous jure, vous avez pas vu. Mais devant, là, juste ouais, là, j'ai pas pu toucher le tarot. C'est pour ça le tarot, frère. Avec les goûts, les goûts, t'es mort, tes goûts, les bougent plus. Moi, j'avais les goûts, tes goûts, les bougeaient pas. Je sais pas si tu faisais du dégât, quoi. Je te jure, non mais ça se voit que toi. Hein. Ah. Je suis désolé, tu sais, ils ont dit pas d'amalgame. Oui, mais si, un petit peu quand même. Mais attends. Regarde, tu vois que c'est typiquement. Comme mec, qui se tue tout seul. Du mec. Tu oui, il en reste plus deux. Ça, c'est pour dire. What? Je suis sûr que t'as une sacoche. Ah, surtout à ta mort, t'arrives à le finir. Ça va pas de sacoche? Il y en a aucun là qui a une canne sacoche. Et il en reste un. Même pas une banane, rien du tout. Ah, non, ça arrive pas. Vous êtes dans RTT ce soir, mais sinon. Y'a l'ustensile. Tu sais, la petite sacoche Gucci ou. Hein? Ou la Puma pour toi, monsieur Gucci. Ah, bah, complet, mercenaire. C'est cool. Non, t'es fou. Non. Non, non, je me suis renseigné évidemment pour. Mais je pouvais pas faire ça, t'es fou. Moi, la plus grosse. J'avais trop peur de la police. Oh, je l'ai explosé. T'es trop peur de la police. Attends, je vais exploser lui. La plus grosse connerie je que j'ai faite de toute ma vie, c'était d'avoir volé un stylo. Et pour voler un stylo, on était trois. Allez, tue-le. On a, mais rigolez pas, on avait établi un plan béton, un par j'ai tué tout le monde. Impossible de se faire choper. À l'aide, j'ai tué le monde. On s'est choper et nos parents, ils ont pas tous réagi de la même manière quand ils sont venus nous récupérer. Tu es lui, le boss. Le père lui, il est mort et Genji, il est mort. Les autres sont pas encore là. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est le mien. Mes filles.